Kabuya. Frère Kabuya. C'est le président Kibwekatanga ici, paradis en Australie. Je suis en train d'écouter ton audio qui me rend un peu content et aussi énervé. Kabuya et Kiabula, arrêtez vos bêtises. Kabuya, Kiabula, arrêtez vos bêtises. Nous ne sommes pas des enfants. Ok? Nous ne sommes pas des enfants. La vérité. Na bengi bango. Na bengi bango na réunion na isika na sala biro kuna basala le mosaïque one. Professeur Chilumbai azali akofite. Et Jean de Dieu Moulenda azaki candidat na Martin Kazembe président. Bon misela nga photo moko. Au bovani na réunion ya bakatangé vous avez décidé si l'avenir du Katanga koti ka ko yop sabiso zoni makambu ya bakatangé terminé non. Nous on ne veut pas de tribalisme en République démocratique du Congo. OK. Kiabula a fait son temps. Ce n'est pas l'enlever, ce n'est pas du tribalisme. OK. Kiabula, il a fait son temps. Il y a d'autres Katangé qui sont capables de diriger le Haut Katanga. Vous voulez nous dribbler. Nous, on a beaucoup travaillé. On a soutenu le président Félix Tshisekedi Tshilombo matin, midi, soir, sans tribalisme, sans choisir quoi que ce soit. Maintenant, Kabuya, tu veux nous dribbler. Et quand on va s'énerver, vous allez dire, oh, allez, voilà, comment, il commence à changer de position. Oh, sans position, voilà. Kibwekatanga devient versatile. On vous regarde, hein. Ça fait combien de temps depuis les élections? Ça fait combien de temps depuis que le président Félix Tshisekedi Tshilombo a prêté son serment? Pourquoi le gouvernement ne sort pas? Oh, ils ont nommé un informateur. Ok. Qu'est-ce que cet informateur de Kabuya est en train de faire? Partout, que ce soit en Australie, au Canada, aux États-Unis, en France, quand on nomme un président, après les élections, le gouvernement sort presque le lendemain, voire même une semaine. Maintenant, nous sommes en train de tourner en rond, on tourne en rond. Kabuya, le Congo n'est pas le champ de manioc de ton père. Le Katanga n'est pas le champ de manioc de ton père. Kabuya, écoute-moi bien. Moi, Kibwekatanga, j'ai ton téléphone, je t'écoute, tu ne prends pas mes appels. Hein. Je t'envoie beaucoup de messages audio, vidéo, tu écoutes, mais tu ne réponds pas parce que tu es tribaliste. Hein? Kabuya, tu es tribaliste, on connaît très bien que tu es tribaliste. Et tu veux utiliser Kabuya parce qu'il t'a corrompu. Tout le monde sait. Moi, j'ai eu des vidéos qui m'ont dit qu'ils t'ont donné, il t'a donné 5 millions de dollars. Dites-nous la vérité. Nous voulons voir un nouveau gouvernement maintenant inclusif. Même que le président Kibwekatanga doit être dans le gouvernement maintenant. Ils m'ont dit qu'il paraît qu'il y a un ministère qui a été organisé pour le président Kibwekatanga. Où est ce ministère? Seulement parler du blabla. Le peuple congolais est fatigué. Le peuple katangais a faim. Sortez le gouvernement. Mettez-nous dedans. Nous allons redémarrer le Katanga. Nous allons redémarrer le Congo. Au lieu de tourner en rond, vouloir mettre encore d'autres gens corrompus. Hein? Kabuya, c'est un corrompu. Tout le monde le sait. Il a pillé. Il est en train de suivre dans le même chemin que Katumbi qui avait pillé le Katanga. Hein? Kabuya veut faire quoi? Donnez-nous un bilan de travail que Kabuya a travaillé. En bas, on va souligner, on verra, c'est moins zéro. Bic rouge. Ce n'est pas du tribalisme ici, hein. Il y a beaucoup de Kasaïens qui ne sont pas contents avec lui. Beaucoup de Katangais qui ne sont pas contents avec Kabuya.
C'est pas du tribalisme, c'est nous tous, nous les Congolais, nous ne sommes plus contents. Les élections sont finies, sortez-nous un gouvernement maintenant pour qu'on puisse aider le président Félix Tshisekedi Tshilombo, qu'on puisse travailler ensemble, que nous tous nous soyons dedans. Il faut pas seulement nous utiliser pendant les élections, après les élections c'est fini, Allah. On nous appelle plus, quand on appelle des gens, ils se cachent. Maintenant on ne peut plus parler, ça devient encore la dictature. Passez cet audio et cette vidéo au président Félix Tshisekedi Tshilombo qui l'écoute. Le peuple congolais, le peuple katangais est mécontent, très mécontent. Les katangais ne vous disent pas la vérité. En bas, ils m'appellent. Derrière, ils m'appellent moi. Parce qu'ils savent très bien que Kibwekatanga, Akulake, Mulenda Naya, Kibwekatanga va dire exactement la vérité. Sortez-nous un gouvernement inclusif maintenant. Et je ne pense pas que c'est le moment que vous voulez encore avoir des troubles. Il n'y a pas de tribalisme ici. C'est nous les Congolais, nous tous. Même beaucoup de Kassaïens ne sont pas contents en ce moment. Nous avons nos frères, nos amis qui avaient postulé pour le député, les amis de l'UDPS. Ils ont tous perdu. Ils savent pas quoi faire, ils savent pas quoi dire. Beaucoup ont honte, ils veulent pas parler. Mais Kibwekatanga, lui, il parle. Kabuya acha makelele usitucheze. Katanga ina ya mama yako, katanga ina ya baba yako. Unashiki? Sopoka. Twende tutengeneze mukini yetu.